aéroport international de Simalène. Décoration. Agathe a gâté. Les gonflés de voix bébé, les gonflés de sur eux, comme à la fondation des bébés, des nourrissons. C'est ça, pour accueillir nos gens, pour tout le monde qui rentre à l'aéroport. Voilà la décoration de décembre. Rien à voir avec le ministère de la ville. Rien à voir avec Madame Coutel, le Mdu. Rien à voir avec le Cocagne. Ne confondez pas les choses. Je vous jure, aéroport international de Sénégalais, vous avez fait fort. C'est ça que vous avez. Je ne sais pas combien ça a coûté. Ah, qui est? On te demande de faire la déco. Tu vas prendre les gonflés de voix bébé. Si ça commence à faire tap, là-bas. Agathe, on va dire que tu as mis les bombes là-bas. Agathe, tu as gâté. C'est qui même Agathe? Agathe, tu as gâté. Il fallait même prendre les feuilles de bananier, les feuilles de manguier. Tu prenais même les mengambamuyamalen, tu mettais là-bas. Et regardez un peu la décoration, c'est-à-dire la vitrine d'un pays, l'aéroport international de Simalène. On nous met les condoms comme déco. On a juste mis la peinture sur les condoms, on a gonflé. On te demande de faire la déco. Tu vas prendre les gonflés, les pomper. Voix bébé. On te demande de faire la déco. Tu prends les condoms. Tu gonfles. Tu vas mettre à l'aéroport de Simalène. Avec toutes les décorations qu'il y a dans ce pays. Mais vous avez même le budget. Faites alors comme vous avez l'habitude de faire. Vous prenez à l'étranger. Agathe a gâté. Agathe a gâté. Ouais. Je sais pas qui tu es, mais tu as gâté. Non. Toi-même, tu peux encore porter les bateaux là. Toi-même, tu peux encore porter les chaussures en plastique pour nous faire une décoration de tout un Cameroun qui attend derrière les invités de la CAN. Non! Mieux vaut donner. Non. Non. Mieux vaut encore même mettre les prostituées à l'aéroport. C'est encore une belle décoration. Agathe a gâté.